Elle a un goût inimitable, un parfum qui nous plonge directement sur une plage de sable fin. Et pour cause, la vanille est produite sous les tropiques, en particulier à Tahiti, au paradis où presque Fanny Duvaux et Chloé Vienne ont rencontré des producteurs très très heureux. Regardez. Au milieu du Pacifique, la Polynésie française. Un territoire aussi grand que l'Europe, où s'étendent 118 îles. Parmi elles, Taha, plus communément appelée l'île Vanille. Dans cet immense jardin, 80% de la précieuse vanille de Tahiti sont produits. Gustave est vanilliculteur. Avec son associé Philippe, il chérit cette épice depuis 25 ans. J'en ai 1,5 hectare de plantation. Des nouveaux, des jeunes, des vieux, des moins jeunes, tout ça. La vanille, c'est ma vie. Ça veut dire, c'est ma vie, on travaille jusqu'à, on ne peut plus monter dans le champ de vanille. Qu'est-ce que tu penses, cette année, il va y avoir un petit peu plus que l'année dernière ou c'est pas cette sûr. Année, il y a moins de fleurs. Ça veut dire, pour l'année prochaine, il y a moins de production. Car cet hiver, d'avril à octobre, il n'a pas fait suffisamment froid sur l'île pour permettre la floraison. La saison a donc été décalée, d'où l'apparition tardive de certaines fleurs. Bon, ben on verra de toute façon. Hein. C'est la nature qui décide. Hein. Voilà. De la fleur à la gousse, la vanille va subir une fécondation manuelle, car l'abeille jouant normalement ce rôle n'est pas présente sur l'île. C'est donc Gustave qui va unir la glande mâle à la glande femelle d'un geste minutieux, presque chirurgical, transmis par son grand-père. Je l'ouvre d'abord la fleur, je prends le pollen, vous voyez ? Et en dessous du pollen, je l'ouvre la poche femelle. Voilà. Ça veut dire que c'est fécondé. C'est bon. Les minutes sont comptées. La fleur de vanille s'ouvre dans la nuit avant de mourir en fin de matinée. C'est donc à l'aube que le marieur réitère chaque jour ce geste ancestral. Il y a plusieurs stades. Là, c'est de la vanille qui a été fécondée il y a 3 mois peut-être. Hein ? Et là, donc, tu as une floraison qui se déclenche. Et que ça va évoluer pendant une semaine à peu près. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça. La gousse de vanille arrive à maturité au bout de 9 mois. Quand elle devient jaune, à ce moment-là, elle ne dégage pas encore d'odeur. Vient ensuite une longue préparation. Chaque jour, pendant un mois, les gousses vont être exposées 2 heures au soleil et malaxées une à une, à la main. Ça, on ne peut pas le mécaniser. On est obligé de le faire manuellement et donc ça prend du temps. Et puis, ça permet aussi de surveiller à chaque étape si la qualité soit là. Une qualité à 250 euros le kilo que les restaurateurs s'arrachent partout dans le monde. À quelques kilomètres d'ici, dans ce restaurant de luxe, le chef a décidé de faire de la vanille sa marque de fabrique. Cette vanille, on appelle ça l'or noir, quoi. Et c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment magique, quoi. Avec la carotte, ça se marie très très bien, la coco, et essentiellement en pâtisserie, c'est là où c'est plus facile d'utiliser la vanille, quoi. Au menu ce jour-là, de la langouste grillée, accompagnée de sa sauce beurre noisette, à la vanille bien sûr. Oh là là, ça a l'air tellement bon et on va se régaler aussi en plateau ici. Et pour parler plus longtemps de la vanille, on accueille Mélanie Legris, bonjour. Bonjour. De la société Eurovanille. Vous travaillez la vanille sous toutes ses formes. Fait. Vous allez nous expliquer ça. Et un habitué de la suite, Christophe Adam. Ouais. Bonjour. Ouais. Chef. Trop content. Ah bah, ah, oui, c'est plaisir. Bon. Ah bah, c'est cool d'avoir des invités comme on ça. On sait qu'on va déguster ouais. Un éclair à la vanille. C'est ça. Ça. Voilà. Deux éclairs de chez moi. Que deux. Ah bon? Non, c'est parfait, ça. On en a plein, non. On a des guimauves aussi qui nous attendent, on va se régaler. On retrouve plusieurs recettes de vanille dans votre livre, Puissance 10, c'est aux éditions Alain Ducasse. On vous donne la parole dans un instant parce que vous allez travailler. On va vous faire bosser dans un tout petit instant. Farida, oui. D'abord, tu nous présentes ta recette. Alors, si, vous inquiétez pas, vous allez bosser juste après. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui un gâteau magique à la vanille. Alors, un gâteau magique, pourquoi il est magique? Il y a un grand mystère autour de ça. Un grand mystère autour du gâteau magique. En fait, c'est une seule préparation, mais... Quand vous allez faire cuire le gâteau, vous allez avoir 3 textures.
une texture, une texture de flan à la base. Wow. Je ne crois pas du ni vu ni connu, je t'en prie. En fait, en off, Christophe ne connaissait pas le gâteau magique, donc je suis très fière de lui avoir appris la recette du gâteau magique. C'est sympa de le dire. C'est pas facile d'apprendre. Alors, Christophe, écoutez bien. Donc, à la base, vous avez une texture de flan, ensuite une texture de crème et ensuite une texture de génoise. On va avoir les trois textures, alors qu'on n'aura qu'une seule préparation. Trois en un. Ah ouais. Trois ans. Donc, c'est magique. Et c'est très très simple à réaliser. Choses, ici, La dernière fois, c'était le ziste. Oui. Ouais. Un bon vent. Et là, maintenant, c'est gâteau magique. C'est pour ça que j'aime revenir. J'apprends plein de choses. Et ben, c'est super. Donc, pour cette recette, j'ai besoin de vanille, de sucre, d'œuf, de lait, de beurre et de farine. C'est pas très belle, celle-là. Il commence à me tacler. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu fine, ma vanille, mais justement, moi, j'ai besoin, pour commencer ma recette, j'ai besoin de faire infuser des graines de vanille avec une gousse. Oui. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va travailler avec des professionnels de la vanille. Et là, ça, c'est une vraie gousse. Elle est brillante. Voilà. Et quoi, alors, vous faites une entaille et... Et à l'intérieur, il y a le fameux or noir. En fait, vous grattez ensuite l'intérieur, mais vous entaillez sur la longueur. Ouais. Tout à fait. Pas sur la c'est pour ça que c'est bien que quand la gousse de vanille est bien grasse, molle... Normalement, qu'elle tient la route. C'est comme ça, ça permet de vraiment enlever un maximum de choses. D'accord. Et on va tout mettre. Vous transférez. Allez, balancez la vanille. Parce qu'à la fois, il y a des arômes Merci beaucoup, Christophe. Il y en a aussi dans la cosse. Donc, c'est super important de mettre aussi la gousse, de tout utiliser, parce qu'il y a beaucoup d'arômes aussi dans la cosse. Elle est magnifique. Infusée. Alors, on n'a pas le temps, mais on va justement, voilà. Là, je vais laisser... 30 minutes. Bah oui, mais là, je vais laisser infuser un petit peu. Mais de toute façon, j'ai des doublures. Hein. Oui. La magie de la télé. Donc, je vais laisser infuser mon lait entier avec la vanille. D'accord. Donc, quelques minutes. Je vais commencer ma préparation de gâteau magique. Donc, des jaunes d'œufs. J'ai séparé mes blancs et mes jaunes. Ouais. Des jaunes d'œufs, du sucre. Donc, jusque-là, tout va bien. On fait blanchir le tout. Tiens, Thomas, tu peux ajouter le beurre, s'il te plaît. Il est là, il est déjà fondu. On ajoute le beurre. Hop. Voilà. La farine. Allez, regardez, prenez-en de la graine. c'est de la technique, Christophe. Le travail d'équipe. Travail d'équipe. Et ensuite, on va ajouter une petite pincée de fleurs de sel. Hein. Ça, c'est pour le côté là, exhausteur de goût. Tu mets juste une pincée. Voilà. Et ensuite, on ajoutera, donc ça sera la base de mon gâteau magique. Tout à l'heure, on ajoutera le lait, les œufs, on en dit pas plus, c'est une pâte à crêpes, mais c'est pas possible. Et si vous aussi, vous avez envie de faire des crêpes, vous pouvez télécharger dès maintenant la recette de Farida sur le site de la quotidienne de la suite. Mélanie, on a vu dans le reportage, la vanille, c'est les fruits d'une orchidée, c'est un vrai trésor. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme un produit de luxe? Alors, on va dire que c'est considéré de plus en plus comme un produit de luxe, parce que c'est vrai que la vanille, c'est assez cher. Hein. On verra après, vous avez relevé les prix. C'est justifié son prix, environ 1000 euros le kilo de gousse de vanille. Alors, c'est justifié parce que c'est un travail manuel, on l'a vu dans le reportage. Du boulot, c'est du boulot. Donc déjà, quand on plante un plant de vanille, ça met 3-4 ans avant la première production, avant les premières gousses. Ah, c'est pas tous les ans. Non. Et donc après, le travail manuel pour féconder les fleurs de vanille, pour récupérer les gousses, et ensuite toutes les étapes de séchage qui durent 8 à 9 mois, tout est manuel. Ouais. Donc ça explique aussi le coût après la gousse. Il y a différentes qualités. On a vu ce test-là, en fait, de la vanille qui casse. C'est ça ce qui va nous permettre de voir si elle est... C'est quand même... Typiquement, c'est ce qu'on trouve là dans le commerce. Ouais. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que quand vous avez des recettes comme le chef a dans son livre où on dit utiliser une gousse de vanille, là, on a la gousse, ça casse. Donc c'est pour la démo. Il faut que ce soit très souple, une gousse de vanille. Oui, donc une gousse de vanille, en fait, pour voir si c'est une gousse de bonne qualité, qu'est-ce qu'on fait? On va l'enrouler là autour du doigt. D'accord. Et puis on... Elle doit revenir à sa place. Ouais, elle doit revenir. Elle doit surtout pas casser. D'accord. Horatio nous dit, il paraît que le premier producteur de vanille, c'est Madagascar. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Madagascar, c'est environ 80% de la récolte mondiale. Ah oui, d'accord. Et ensuite, on a des autres origines comme Tahiti, comme le Mexique, comme l'Indonésie. Il faut savoir, par exemple, le Mexique, c'est le pays originaire, le berceau de la vanille. Ah oui. Donc, c'est une vanille qui a des notes un peu plus chocolatées. On a vraiment une différence en termes de goût entre toutes les vanilles. Un petit peu plus rare, on en retrouvera un petit peu moins ça sur le marché. Ça, c'est la vanille Tahiti qu'on a vue dans le reportage. C'est celle avec laquelle je pars. Oui, d'accord. Pourquoi elle est exceptionnelle pour vous? On en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu la star de la vanille, non? Oui, c'est une vanille qui est très appréciée des grands chefs parce qu'elle a des... elle est énorme. Hein. Oui, tout à fait. Elle est énorme. Après, elle est charmée. Je ne sais pas si ça me dit pour une vanille. Oui, tout à fait, c'est ça.
Et alors là, vous pouvez sentir une vanille de Madagascar et une vanille d'Haïti. Vous allez sentir la différence. Là, c'est des notes plus anisées, plus douces. Oh, on dirait. C'est magnifique. Hein, on dirait un fruit, en fait. On dirait la chair d'un fruit, presque. Regardez comme c'est beau. Il y a de la chair. Ouais, ouais. C'est beau. C'est pas comme Madagascar. C'est vraiment est-ce que l'odeur est vraiment différente? Oui. Alors, c'est plus anisé, plus doux. Ah, beaucoup plus doux. Ah oui. Elle est presque... cette vanille-là, la vanille Tahiti, ça va venir plus en note de fond quand vous allez faire une dégustation. Mmh. Si vous faites si vous mangez un chocolat avec une ganache vanille Tahiti, vous allez sentir d'abord le chocolat et ensuite la Tahiti qui va venir en note de fond. D'accord. Elle a presque une odeur plus fumée, la bourbon, à côté de la Tahiti. Plus boisée, en fait. Ouais. Et alors, celle de Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle est encore plus rare, hein, c'est ça? C'est pas qu'elle est plus rare, c'est qu'en fait, ils ont moins de production là-bas. Donc oui, elle est plus rare, mais on cherche pas forcément, c'est pas une origine qui est forcément recherchée. D'accord. Mais par contre, c'est des très bonnes vanilles aussi. C'est la même variété que la vanille de Tahiti. Ouais. Donc on va être sur des notes qui vont être similaires. Il y en a une qui est tellement rare qu'on n'a pas pu la voir en plateau, c'est la vanille banane. Oui, Elle est énorme, c'est ça? Oui, en fait, la vanille banane, c'est la vanille pompona qu'on appelle. Donc, c'est un hybride entre deux variétés. Et c'est vrai qu'elle est énorme. Ça peut aller jusqu'à 35 cm. En termes organoleptiques, ce n'est pas non plus de la folie. Donc, c'est pour ça qu'on ne cherche pas non plus à développer la culture de la vanille. Elle n'a pas un goût incroyable, c'est ce que vous voulez dire? C'est pas fort, en fait. C'est pas intense. Ah, et parfois, il y a du blanc sur les gousses de vanille. C'est Myriam qui nous dit ça. C'est presque, on dirait du sucre, non? Oui, alors en fait, quand vous bougez la gousse à la lumière et que vous voyez que ça brille, ça veut dire que c'est des cristaux. Donc en fait, c'est la vanilline qui a cristallisé. La vanilline, c'est une des molécules aromatiques principales de la vanille. Ah, donc c'est plutôt un signe de fraîcheur. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. La vanille, Christophe, ça fait partie quand même des ingrédients phares de la pâtisserie. C'est la base. Je pense que c'est le premier ingrédient qu'on met dans la crème pâtissière qui est la base de la pâtisserie. Donc après, il y a mettre de la vanille. Encore quelques années, on ne faisait pas très attention. Ce qui est bien qu'on regarde tout ça et qu'on travaille avec des pâtissiers à Paris ou en province, c'est qu'on se dit, tiens, il y a la vanille, ça coûte cher. Les pâtissiers qui font vraiment de la belle pâtisserie font attention d'en mettre beaucoup plutôt que d'en mettre un peu partout pour que vraiment il y ait le goût. C'est ça qui est important. Et du coup, vous jouez sur les provenances, vous aussi? Alors moi, j'ai voulu un moment jouer sur les provenances parce que c'était sympa de le faire. C'est vrai que le coût de la vanille a explosé depuis maintenant un an. Ça vous a refroidi un peu? Ça m'a refroidi. Et après, il y a un goût que j'aime beaucoup, ce qui est la vanille de Madagascar. C'est peut-être la plus connue. Moi, c'est celle que j'aime. C'est celle que je préfère, c'est celle que je préfère travailler et c'est celle que j'ai un peu... Et qu'on va déguster dans un instant. Bidouillée dans la recette d'aujourd'hui. D'abord, la recette de Farida et son gâteau magique, tu en es où? Alors, le gâteau magique, donc tout à l'heure, on a mélangé, vous vous souvenez, les jaunes d'œufs avec la farine et le sucre. On a fait une pâte à crêpes, d'après Christophe. si, vous m'avez taclé. Je continue. J'ajoute petit à petit, donc j'ai ajouté un petit peu de lait. Donc là, je continue à ajouter, mon infusion de vanille. Voilà, comme ceci. Donc, délicatement, vous ajoutez d'abord un peu de liquide et ensuite vous ajoutez... J'insiste, le côté infusion, c'est hyper important. On peut laisser vraiment toute la nuit. Il y aura vraiment un surplus. De plus en plus intense. C'est pas du pipeau, c'est pas juste deux minutes, on fait joli. On laisse... prendre le temps parce que vraiment, ça, avec et on n'enlève pas les morceaux? On peut les laisser dedans comme ça, c'est pas grave. Quel morceau? La gousse. Mais si, j'ai enlevé. Alors regarde, la gousse, elle est là. Oui, bien là, sûr, mais les petits morceaux. La gousse, je vais l'essuyer, je vais la faire sécher, je vais la glisser dans du sucre en poudre. Ouais. Pour l'aromatiser. La broyer pour faire de la poudre. Voilà, ça c'est une bonne. Oui, bravo. On va avoir la petite astuce. Mais justement, j'ai une petite astuce sur le sujet. Ensuite, vous ajoutez, et c'est ça qui va provoquer la réaction à la cuisson. Ah, la magie va opérer. La magie va opérer à ce moment-là. Vous ajoutez les blancs en neige. Mais alors. Contrairement à ce que vous faites dans une pâtisserie traditionnelle, généralement, vous mélangez les blancs en neige à la maryse. Ouais. Là, non, ça ne sera pas à la maryse, ça sera au fouet. Ah bon? En fait, l'objectif, mais justement, en fait, il faut les casser, mais légèrement. D'accord. Voilà, comme ceci. Et pour que la magie opère au moment de la cuisson, il faut que impérativement que les blancs en neige restent à la surface, flottent comme ceci. Ah, tu vas pas complètement. Je n'ai jamais vu ça, Christophe. Pas complètement. Je n'ai jamais vu ça. C'est David Copperfield aujourd'hui. Je ne sais plus. Voilà. J'attends de voir la fin. Mais le résultat, c'est ça. Et ensuite, on fait cuire tout cela. On fait cuire tout cela 50 minutes à 150 degrés, à basse température. Et alors attention, pas de panique. Quand vous le sortez du four, le gâteau, il est un petit peu tremblotant.
Vous dites, oh là, il n'est pas cuit. On dirait une gelée. Ça, c'est parce que tu n'es pas sûr de ton coup. Non, pas du tout. C'est comme ça que ça se passe pour de vrai. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Bon, allez, t'anticipes un possible échec. Non. C'est un peu tremblotant. Et ensuite, vous mettez votre gâteau 2 heures au frais. Et là, vous avez la texture avec les 3 étages. C'est magique. Bon. Et là, tu nous disais, tu as une petite astuce pour récupérer la gousse de vanille. La gousse de vanille, écoute, ce que tu peux faire, c'est quand tu as une gousse de vanille un petit peu ancienne, un petit peu desséchée, comme on a vu tout à l'heure entre les mains de Christophe. Tu la sauves, tu lui donnes une seconde vie, tu la mets au four 2 heures à 50 degrés, tu la fais complètement sécher, tu la coupes en morceaux et ensuite tu la mixes. Et là, vous avez de la poudre de vanille. En fait, on obtient ça. Voilà. La poudre de vanille. On obtient de la poudre de vanille qu'on peut après utiliser dans des salades de fruits ou alors pour parfumer un gâteau. Dans des biscuits, c'est vrai. Voilà, dans des biscuits ou même dans du sucre vanillé. J'ai une petite astuce, au cas où. Non, mais ça, c'est pour saper mon aussi, astuce. On peut acheter la gousse de vanille, on la broie fraîche. Ouais. On la met au congélateur et on sort ce qu'on a besoin. C'est vrai. Ça fait une infusion. Après, par contre, il faut la chinoiser, mais ça peut se garder comme ça aussi très très bien.